Malgré la rassurance fourbe du ministre de l'Environnement, les centres de recyclage ferment leurs portes partout autour de la province. Au lieu d'améliorer les opportunités de recyclage, ils disparaissent. Si la tendance se maintient, il ne restera aucun centre dans le comté de Kent la semaine prochaine. L'attitude d'Encore Atlantique, une organisation dont les gérants assis dans un beau bureau sont grassement payés, a été déplorable envers les propriétaires, les accusant d'être rétrogrades et d'être incapables de s'adapter au 21e siècle. Ceux et celles qui, sur le terrain, ont dévoué leur vie à offrir le service de recyclage dans nos communautés rurales sont forcés à se soumettre à des demandes irréalistes. Faire des investissements de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour un contrat de seulement 2 ans, offrir des heures d'ouverture irréalistes pour des régions rurales et souscrire à des régimes d'assurance hors prix. C'est presque comme si Encore et le ministre voulaient faire fermer ces centres de recyclage depuis le début.